Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je pense que vous le savez toutes, j'ai décidé de filmer pour mes dernières journées d'école. Il reste mercredi, jeudi et vendredi, on commence les examens. Mais je vais vous amener pour les 2 derniers jours d'école environ, je pense, pour qu'on ait du fun, pour que ça mette de l'ambiance un peu dans l'école, ben, au sport-études, puis que j'aille des souvenirs de, t'sais, mon restant de sport-études à Nicolet Gatineau. Si jamais vous voyez dans des clips que vous n'êtes pas d'accord, faites juste me texter puis je vais essayer de l'enlever. C'est vraiment pas pour vous faire chier ou pour quelque chose. C'est vraiment juste pour avoir du fun puis me rappeler. Fait que j'espère que ça va être un bon vlog. Je vais essayer de faire du montage quand même nice là. C'est sûr que c'est plus difficile. Puis j'espère que vous allez aimer ça. 1, 2, 1. Yo, what is up, guys? Just got here with a brand new video here today. I'm here with Francis, Mayan, and Josh. Last day of high school. We're gonna probably meet up again in 20 years. So I'm gonna be a rich boy. So remember that. Yo, Guy. What's up, Guy, man? Yo, what's up? Yo, what's up? Yo, 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 what's up? Yo, what's up, fucking faggot? Yeah. You mettre sur YouTube. Genre ma face là. Ben oui. À jamais. Répète ça. Raphaël! Say hi to the vlog! Allô David! What's up, man? Allô Clara! Allô! Excuse. Un mot qui résume le sujet en 5 qui est plus. Bon matin tout le monde! Fait que là on est jeudi. Aujourd'hui notre. Oh regarde, c'est vraiment cool, il faudrait se faire comme des calls pour tout. En tout cas, notre journée c'est. On a un examen d'anglais à 8h30. Là il est 8h. Puis. Après, je crois que la quatrième période, dans le fond, pour nous, on s'en va distribuer nos albums de finissants à la bibliothèque. C'est pas distribué, mais on reçoit. Français. Fait que, on revoit, puis ça va être vraiment le fun. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Je vais essayer de filmer un peu plus vraiment, vraiment, vraiment les albums. Fait que c'est ça. Bye! Ciao! Yay! Sammy! Mathis! Hey boy, t'as fumé le plan, j'ai là. Fais un chier les boîtes d'album. Là, aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est le reveal de les créateurs de la page. Et où, madame? Madame, allez-y. On va finir ça après. Venez tout, gravel, viens. Charles, Audrey, Alex, viens. Attends, reculez un peu. Attends. Est-ce que vous avez d'autres soupçons? Non. Ah ouais. So, j'ai demandé aux deux créateurs de la page de mime à faire 2 pas par en avant, s'il vous plaît. Ah! Félicitations aux deux instigateurs de cette fameuse page, mais...
Salut les amis, en U, bonne chance, bon succès, ce fut très agréable de vous avoir tous et toutes dans mon cours. Dans mes cours, c'était très facile, bonne chance, aux douches. Mais je me rappelle, à votre âge, je ne sais pas, qu'est-ce que je me serais souhaité à moi-même de profiter des moments. J'aurais aimé profiter des moments un peu plus, des fois. De pas trop avoir de projets à très long terme. Bon, j'ai jamais eu de gros projets à long terme. Mais avoir, profiter des moments. Ça, j'aurais aimé ça. Qu'est-ce que je vous souhaite aussi? De vous passionner pour les choses, le plus possible. Et avoir du plaisir à faire des choses, puis ça va vite, la vie. Vous êtes super jeune, là, mais vous arrivez à 20 ans très rapidement, à 30 ans, vous allez voir, ça va faire des sauts éventuellement. Là. Ça va vite, là, puis ça passe. Là. Puis on est déjà prêt de passage seulement. Donc, faire des choses qui nous passionnent. Oui, il faut vivre, il faut manger, puis il faut avoir de l'argent pour manger, mais d'abord de faire des choses qui nous animent. Quand il y a ça après, là, des choses qu'on aime faire, après ça, ça va. Le reste, je vous souhaite évidemment la santé qui va avec ça. De prendre soin des uns des autres aussi. On voulait souvent aller comme ça à 16 ans, 17 ans, puis moi, je suis très sensible avec les problèmes de santé mentale. J'ai connu beaucoup de personnes qui. Des anciens élèves ou des jeunes adultes qui développent des problèmes de santé mentale en 18-25 ans. C'est actuellement ces âges-là que ça se développe. Prenez soin les uns des autres, soyez là pour vous. Je vous souhaite de continuer à vous côtoyer, votre petite gang d'amis aussi. Gardez des relations qui datent du secondaire. Ça, c'est fun, c'est un ancrage pour vous. Hein? Donc, ouais, c'est ce que je vous souhaiterais pour les secondaires 5. Puis, changez le monde. Ouais. Hein? Changez-le. Amusez-vous, soyez rebelles pour de vrai, là. Vous avez cette chance-là. Mm. Oui, moi, je vais vous accueillir, vous encourager. Si vous changez, moi, je vais vous suivre. Je vais vous imiter. Chers finissants de 2018-2019, je tiens à vous dire que ça a été un réel plaisir pour moi de vous enseigner. À certains d'entre vous, ça a été un long 3 ans, d'autres 2, d'autres 1, mais j'ai vraiment apprécié mon expérience et je me suis vraiment attachée à vous. J'espère que vous nous ferez le plaisir de venir nous voir. Puis comme je vous ai dit en classe, mon souhait le plus sincère, c'est que vous trouviez le bonheur, parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'être heureux. Puis c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors, tu me dis quand je peux commencer? Ah, tu me filmes en ce moment, là? Ouais. Fait que tout le niaisage est fait avant, tu peux filmer dedans. Écoute, tu mettras ça aussi dans la vidéo, c'est typiquement moi de perdre du temps pour rien. Écoute, les secondaires 5, je vous félicite pour votre parcours secondaire. Certains qui ont duré au sport-études quelques années, d'autres que ça a duré quasiment 6-7 ans. Je suis content que vous ayez gradué, vous avez fait du beau travail. Oui, des fois, vous avez été un petit peu tata, je vous l'accorde. Mais dans l'ensemble, vous avez été une très belle gang, vous avez été fin, vous avez été amusant et vous m'avez fait rire au fur et à mesure des années aussi. Si j'ai des mots de sagesse à vous partager en cette fin d'année, cette fin de parcours de vie, c'est que la vie, c'est comme une longue route. Et sur cette route-là, vous allez voir, il y a des chemins puis il y a des portes. Et l'idée générale dans la vie, c'est de pas rester sur toujours la même voie, parce que ça devient prévisible, ça devient plate. Explorez le monde, explore ta route de vie, va sur différents chemins, ouvre différentes portes. Il y en a que tu vas ouvrir, tu vas faire « Oh, fuck non! » Tu vas la fermer de suite. Mais il y en a d'autres que tu vas ouvrir, tu vas passer un certain temps et tu vas revenir sur ta route. Tu vas toujours continuer à avancer. Et je pense que c'est ça l'important. Avancer tout le temps vers quelque chose qui vous fait triper, quelque chose qui vous fait vivre. On n'est pas longtemps sur la planète, là. Fait qu'il faut profiter de ça au maximum. Vous avez tout le beau potentiel, c'est définitif. Mais c'est à toi de l'actualiser. Fait que je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Et merci, David, d'avoir comme passé dans la tête de tout le monde. D'avoir... Bon, il a tout volé mon thunder. Fait que non, ça, je vous souhaite un bon cheminement de vie. J'espère que vous allez bien vous amuser. Et ma porte vous sera toujours ouverte si jamais vous voulez revenir nous dire allô. OK? Malaise! Malaise! Merci et bonne vie. Ciao!